Vara, geste, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Vara, geste, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Vara, geste, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force flamme qui brûle tout au fond de toi. Je vous annonce que la planète Dinax 4 a été vaincue. Est-ce que les racines y poussent? Oui, elles ont tout envahi. Son Excellence a tenté. Un de leurs vaisseaux a dû s'échapper. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que c'est la force lumière. Et où se dirige-t-elle? Vers le secteur 417, itinéraire T24 par R8. Faites activer la seconde légion. Ils vont se trouver nez à nez avec le commandant des troupes de Discord. Sur Radar 9, nous réservons une surprise de taille à la force lumière. Radar 9, c'est un endroit terrible. Monseigneur, vous avez une idée géniale. C'est une planète complètement désolée. Et ce sera la dernière que connaîtront ces humains procureurs. Ordre immédiat de lâcher les forces de la lumière noire. Allume l'écran de contrôle. C'est un signal de mon père. Ce n'est pas possible autrement. C'est lui, j'en suis sûre. Méfie-toi, nous avons tendance à interpréter les choses comme on voudrait qu'elles soient, Jess. Gillian, regarde, c'est un signal. Je vois une marque en forme de racine qui pourrait bien avoir été faite pour nous tromper. Il faut s'en assurer. Les données de l'ordinateur m'indiquent que cette planète cessera d'exister dans quelques heures. Le cratère de ce volcan va bientôt être assez chaud pour faire cuire une omelette. Dans combien de temps explosera-t-il? Environ 10 heures. À moins que ce ne soit tout de suite. Ça nous laisse suffisamment de temps pour savoir si mon père est là. Je ne peux pas trop m'avancer, mais à mon avis, c'est un piège. Avec Jess, pour se faire une raison. Thank you.
Je ne capte aucun signe de ton père, il n'est pas sur cette planète. Possible que cette marque ait pu être gravée avec un outil appartenant à Roderick. Pourtant, il y a tout de même quelqu'un qui l'a faite. D'après moi, Jess, ça doit certainement remonter à des millénaires. De toute façon, dans 10 heures, ça n'aura plus d'importance. D'ici. Bon, il va falloir attendre la fonte des neiges. Dans 10 heures, très exactement, la force lumière aura cessé d'exister. C'était un plan absolument génial, maître de l'univers. Les blocs de glace sont tombés exactement au moment où vous l'aviez prévu, monseigneur. Enfin, je vais pouvoir régner en maître absolu sur l'univers et sur toutes les galaxies. Si nous pouvions ouvrir l'écoutille, Rior pourrait passer à travers. Pas moyen d'abaisser la rampe. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une écoutille de chargement. On pourrait monter les engins jusque-là? Oui, ça vaut la peine d'essayer. Ils vont trouver un moyen de nous sortir de là. Sur notre planète pour nous aider? Oui, pour vous aider. Comptez sur nous. Alors il faut que vous arrêtiez le volcan pour sauver notre monde. Arrêter un volcan? C'est une plaisanterie, voyez. Si le volcan explose, notre monde est condamné à mourir et nous avec. Nous n'avons aucune chance de survie. Gillian, est-ce que tu n'aurais pas une formule magique pour arrêter le volcan? Faites quelque chose, on ne veut pas mourir. Si on arrivait à l'arrêter, ça nous laisserait le temps nécessaire pour faire nos recherches. Jamais personne n'a pu éteindre un volcan. On peut toujours essayer, mais nous allons avoir besoin de vous. Il faut que vous collaboriez, vous et votre peuple. Venez les aider.
sûr que ça va marcher. Forcer, commence à creuser un tunnel jusqu'au volcan. Ordre reçu. Frigulaire, ramasse la glace. Jess, tu as complètement perdu la tête. C'est la seule chance que nous ayons. Si nous arrivons à jeter suffisamment de glace dans le cratère, nous l'apaiserons. On va entasser la glace derrière le barrage. Lorsque nous en aurons assez stocké, on la déversera. Il faut que ça marche. Ouais. Si on avait une semaine, peut-être. Mais il ne nous reste plus que 9 heures. Je risque de me faire tirer dessus. Je vais me geler les doigts de pied. Et qui me prouve que je vais être payé? Très peu pour moi. Je suis pilote, après tout, pas cantonnier. Je refuse de prendre des risques quand c'est une course perdue. Personnellement, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est de filer à bord du vaisseau de secours. Dans la vie, on fait ce qu'on peut, hélas. Pas toujours ce qu'on veut. Des diamants. Quoi? Cette planète n'est rien d'autre qu'une mine de diamants. Alors creusons. Tiens, je croyais que tu voulais partir. Finalement, tu m'as convaincu. J'ai changé d'avis. Des diamants? Alors, on veut essayer de s'en sortir en sauvant la planète de l'éruption? Pas question! On mobilise l'ensemble des légions! Plus vite! Diamant. Je me demande où ils sont. J'ai jamais fait autant d'exercices que depuis que j'ai 300 ans. Jay! Forcez! N'ont pas intérêt à piétiner ma mine de diamants. Brière, régulière, continuez à creuser. Il ne faut surtout pas perdre de temps. Rien ne pourra nous arrêter, Jay. Spirale ou laser. Attention! Ouais, gagné! Méga fusée, feu! Je ne vois plus rien. Merci beaucoup. Remettez-vous au travail. Qu'est-ce que vous attendez? C'est pas gagné, fiston. À tout le monde, quoi qu'il puisse se passer, n'arrêtez pas de creuser. Jay, c'est un bout de vie.
pour nous empêcher de creuser, ça fait partie de leur stratégie. Ils veulent nous empêcher d'éteindre le volcan. Je suis sûr que c'est nous qui allons gagner, maître. Brière et Frigulaire, attention. Programme d'attaque. Rayon laser, feu! Régler son compte à ce monstre. Tire laser groupé. Youpi, on a réussi! Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il faut augmenter la cadence. Régulaire, accéléré. Corsaire, plus vite. Nous n'avons pas suffisamment de glace. Ça ne marchera jamais. C'est la seule solution que nous ayons. Il faut continuer à creuser. Jay! Ce sont des fleurs de monstre au plein. Urk, prépare le vaisseau de secours et sauve-toi. Dépêche-toi et embarque Flora et Gillian avec toi. Et toi, Jace? Je suis le seul à pouvoir téléguider et piloter nos engins. Non, tu dois venir avec nous. Je n'ai pas le droit de les laisser tomber, Urk. Il faut essayer de les sauver. Je refuse de m'en aller. Et moi aussi. Alors, si j'ai bien compris, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour des diamants? Ils ont décidé d'anéantir complètement notre planète. C'est ce qu'on va voir. Mais où il va encore? Reviens, Jay! Hey, regardez celui-là! Hey! Nous n'avons pas peur de vous! Approchez, essayez de m'écraser! Oui, oui, venez! Approchez, on n'a pas peur de vous! C'est ça, continuez à faire tomber la glace, remplissez le cratère. Allez-y, continuez, enfouissez tout. Regarde, on est arrivé, maître. On a gelé le volcan et les monstres plantent en même temps. Hourra, hourra, hourra. Vous nous avez sauvés, vous serez nos amis pour toujours. Et vous aussi.
Et si jamais vous repassez par cette planète, venez nous rendre visite. Vous serez toujours les bienvenus. Certainement. Ce sera avec plaisir. Alors à bientôt. Eh, c'est plus tellement la peine de se presser. Je voudrais bien récolter quelques diamants. Comment ça, des diamants? Gillian en a trouvé. Est-ce que c'était cette chose? Oh, 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 mais c'est pas vrai, ça. C'est ce qu'on fait rendre le monde à temps, fier et combattant.